Bonjour à tous et bienvenue. Moi, c'est Lauriane. Ici, je vous parle tricot. Je vous parle laine. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc, je vous emmène avec moi pendant la semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien en dessous de la vidéo. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est à dire l'eau de moiselle. Je vous retrouve donc pour une nouvelle semaine après un super week-end euh, parce que c'était notamment mon anniversaire. Alors je n'en avais pas reparlé et tout. Cette année j'avais pas... Je me fais le choix de ne pas reprendre le calendrier d'Audrey Teinturé. J'avais adoré son calendrier anniversaire l'an dernier. Euh, et ce qui m'a fait ne pas craquer cette année, c'était bah, elle avait choisi de faire qu'une seule formule avec une quantité de laine bien spécifique pour un ouvrage. Et moi, j'aimais l'idée d'avoir des échauds de 100 grammes, mais je comprends que c'est pas dans le budget de tous. Donc cette année, j'avais pas recraqué, euh, même si elle avait reconduit son calendrier avec une nouvelle idée, ce que j'ai trouvé bien euh, mine de rien, de savoir se renouveler, se renouveler. Mais euh, voilà, personnellement, je l'avais pas craqué. Donc euh, c'est vrai que cette année, je vous ai pas. J'ai pas trop parlé, j'ai pas fait trop l'enfant, je vous ai pas fait de décompte d'anniversaire ou quoi que ce soit. Mais euh, merci donc énormément à mes tricopines parce qu'on a fait un tricoté d'anniversaire. Un super moment, un gros gros bisou à Justine, je t'embrasse très fort. Voilà, tu sais très bien ce que je pense de toi et voilà, j'ai adoré ce moment. Mais comme à chaque fois qu'on fait les tricotés, c'est super bien, c'est. C'est plus que du tricot en fait, on en est, euh, voilà, c'est une belle amitié, c'est un lieu des... où on peut parler de tout et de rien, mais aussi des. Quand on a des problèmes, on peut en parler, trouver du soutien. Donc euh, voilà, c'est plus que du tricot et franchement, ça fait chaud au cœur. Merci aussi à toutes celles qui y ont pensé, même si j'en avais pas reparlé, mais qui s'en sont rappelées des années précédentes, qui m'ont envoyé des messages. Merci aussi, un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux, donc, euh, notamment euh, en, euh, sur Ravelry. Donc un grand merci à vous. Et donc voilà, c'était un chouette week-end. J'ai un peu tricoté, même si, voilà, notre week-end était quand même chargé, même s'il n'y avait pas que mon anniversaire, mais entre, euh, on est en plein, ma euh, bah, collègue celle-là, ça, ça commence à se terminer, mais on fait beaucoup de portes ouvertes euh, d'établissements pour les études supérieures des garçons. Euh, on a, j'ai fait mon petit tricoté, donc euh, là, c'était ma petite parenthèse rien qu'à moi. Dimanche, c'était vraiment le jour de mon anniversaire et j'ai, euh, j'ai oublié. Et j'ai quoi ah, est, On est encore dans le ménage de printemps à la maison. On avait profité d'avoir les garçons à la maison pour avoir beaucoup de bras et donc pouvoir porter des choses lourdes. Donc euh, voilà. Mais j'ai quand même tricoté. Hein, j'ai quand même profité, mine de rien. Donc on va en reparler tout de suite. Alors avant de vous en reparler, avant de parler de mes en cours, je vais vous remontrer mes deux châles Red Katana. Voilà, ils sont lavés. Hop. Ça ne change pas grand-chose. Ils se sont un petit peu agrandis. J'ai essayé de marquer un peu plus la pointe. Alors vous avez une grosse préférence. Alors ça c'est on va dire version originale avec les rayures, comme c'est dit dans. indiqué dans le patron. Euh, mais vous êtes euh, nombreux nombreuses à préférer la version dégradée. Et je crois que moi aussi en fait. <laughs> J'aime beaucoup. Voilà. Euh, je pense que j'en referai peut-être une petite vidéo dédiée, mais il faut que je trouve le temps de le faire. Mais ouais, peut-être, je pense que ça vaut le coup d'en reparler un petit peu en vidéo. Mais voilà, mes deux Red Kana, Katana. Je vais pouvoir en profiter, c'est super doux. Très très doux comme laine. C'était la base bivouac de la pelote vagabonde. Mais voilà, ça, je pense que je referai des vidéos pour, pour vous en reparler un petit peu en détail. Euh, ça aussi, ça vous plaît, je suis contente. Euh, ben, voilà, c'est toujours bien de le savoir parce que je, alors, je vois les vues, je vois les commentaires, mais c'est vrai que. Euh, euh, quand on vient me dire euh, ah oui moi j'aime vraiment quand tu fais une vidéo dédiée à un projet comme ça je reviens dessus euh, bah voilà vraiment de savoir que c'est concret que ça vous aide bah ça me motive à poursuivre parce que bah ça prend du temps de faire des petites vidéos en plus mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui aiment bien revoir pour euh, juste avoir des détails sur un tricot en particulier et quand je fais une vidéo dédiée c'est plus facile à retrouver. Alors sinon au niveau de mes encours j'ai mon châle de Steven West, le Fiber shawl, Fiber Fiberfest Shawl. Hop, que, je tricote, que je tricote avec des laines de chez Tricot et Stitch, donc notamment là bah le rouge rose avec le gris, et la laine et chaudron que pour l'instant on ne voit que sur le l'envers dans la brioche. Alors je n'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré en vlog, je vais avancer dessus cette semaine. Je prends énormément de plaisir à tricoter euh, ces sections. Là, comme je les appelle là les bébés nop Je trouve ça trop rigolo à faire, j'aime beaucoup. Et euh, voilà, j'ai pas... Je vous l'avais dit, hein, j'avancerai pas du tout dessus ce week-end. Et ben voilà, j'ai pas avancé du tout, mais c'est ce qu'on va suivre cette semaine. Pas d'objectif, je en fait, comme je sais même pas combien de fois je dois répéter par exemple. Parce que je sais qu'on répète plusieurs fois en fait Léa sur euh, cette section-là et la section ici de brioche. Mais en fait je sais même pas combien de fois. Donc euh, dur de se faire un objectif quand on sait pas où on va. Autre en cours sur mes aiguilles, mon gilet que je teste pour Nadia. Le gilet Enid, hop, le voici. Hein, Pareil, il n'a pas avancé. Hein. Je vous l'avais montré. Je venais tout juste de rassembler les devants du dos. Bah voilà, vraiment pas avancé. Hein. Hop, ben lui euh, avance, bah, euh, dérouler le corps. Je pense pas du tout faire le corps durant la semaine, mais euh, voilà, l'avancer tranquillement. J'ai mis des petits anneaux marqueurs chat que Dominique m'avait offert. Trop mignon! Je, pour rappel, je tricote avec d'Hélène de. Euh... Ah, j'ai perdu. Hélène Hélène! Pour la, la coloris principale donc son coloris Tequila Sunrise et le Mohair. Alors je vous avais dit Taluma, mais en fait c'est Taruma, le Mohair. Et j'utilise pour la faire les petites rayures un écheveau de, de 50 grammes que j'avais de Didier au fil d'Horus avec euh, une pelote de Mohair qui me restait euh, de mon Midas qui était du knitting for Olive. Donc là, il n'y a plus besoin de réfléchir. On déroule tout droit le, le corps avec cette torsade-là qu'on fait sur les deux demi-devant. Mais que ce soit à droite ou à gauche, c'est exactement la même torsade. Et il n'y a pas de différence des deux côtés. Donc ça, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de se dire est-ce que je dois le faire vers la droite ou vers la gauche Alors ça n'empêche pas de peut-être faire des erreurs. Je reste vigilante sur mes torsades à me dire j'essaye de bien les faire toujours dans le même sens parce que. Voilà, un moment d'inattention ou autre, c'est vite arrivé et parfois c'est quand c'est ce qu'il y a de plus simple qu'on fait des erreurs parce qu'on bah, se dit c'est tellement simple que hop, on y va et on fait pas attention, donc bon. Voilà. Euh, là je me dis quand même faut que je fasse un peu attention, mais c'est franchement pas compliqué. En plus, ce qui est bien, ce qui est super bien, c'est que la rayure ici, elle est toujours au même endroit sur la torsade. Donc euh, moi personnellement j'arrive à la tricoter. Alors peut-être que là, on, comme ça fait quand même 2-3 ou ouais, 3 jours que je n'ai pas à tricoter dessus, je vais revoir. Euh, vite fait, quand même le diagramme pour être sûr, mais en fait, on sait bien euh, par rapport à la rayure quand est-ce qu'on fait la torsade et donc euh, on se détache. Moi, personnellement, je me détache très facilement du diagramme. Euh, les explications sont en diagramme ou en, en explication écrite parce qu'en fait, c'est tout est toujours au même endroit, on se repère très facilement. Donc voilà, le gilet Enid que je teste pour Nadir N.C. Anid, qui est à sortir, euh, je sais pas quand, au mois de mai, je pense. Ça doit être ça début mai je pense donc là j'ai toujours pas relancé de chaussettes parce que j'ai pas eu le temps je voudrais refaire un tube avec la machine hog Picnic et j'ai pas pris j'ai pas eu le temps j'ai pas pris le temps de le faire ce week-end donc toujours pas de chaussettes mais j'ai un encours euh, parfait pour la voiture les, la tente et tout j'ai commencé alors j'ai juste fait le montage des mailles pour le gilet Regan d'Isabelle Kramer que je tricote avec la thèbe camel de Ophildorus. Voilà, j'ai juste fait le montage des mailles. Et là en fait on commence par faire un long rectangle de jersey. Qui va faire en fait le haut du dos. Apparemment. Il est grand, ça va être long. Mais au moins on commence par le plus barbant. On fait ça, j'ai l'impression qu'on fait les manches ensuite. Et après on vient faire tout. Toute la dentelle j'ai l'impression donc voilà toujours été qu'on monte des mailles et euh, bah j'ai cette bande là à tricoter tout en jersey donc là c'est parfait pour être transporté à droite à gauche avec la super base camel tep camel donc 50% bébé chameau 50% soie très doux j'aime beaucoup super brillante voilà ça ça va être euh, à défaut d'avoir une paire de chaussettes j'ai ça et je viens vous reparler de mon 8 mort. Je vous avais quitté euh, en ayant quasiment fait tout le corps. Hein, J'étais arrivée au code pour enfin me décider, me dire que non, effectivement, ça ne me plaisait pas. Je n'ai pas alterné mes échafauds et j'avais un échafaud. Voilà, qui était un peu plus nuancé que les autres, et ça me chagrinait un petit peu. Je vous l'avais dit, hein, j'ai des ouvrages et des tricots qui ont beaucoup plus de contraste, ça, entre les échaux, que j'étais jusqu'au bout comme ça, que je porte, hein, franchement, ça m'empêche pas de les porter, mais là, je sais pas, euh, ça me chagrinait. J'avais pas envie sur ce modèle-là, sur mon pull Whitmore de Amy Loden, et donc j'ai tout détricoté, mon... C'est ce que les images que vous avez pu avoir avant. Et ça m'a pris du temps de tout détricoter le corps, de séparer la fingering du mohair. Euh, de. Ouais, c'était quand même pas... pas rapide à faire. C'était assez long, vu qu'il y avait fingering et mohair. Mais bon, j'ai réussi. Et ça a été mon tricot du week-end. Et voilà. J'ai retricoté tout mon corps et j'ai fini aujourd'hui les côtes, le rabat. Il m'aura vraiment fallu tout le week-end pour le faire. Donc j'ai détricoté jusqu'ici. Donc c'était là à peu près où s'arrêtait mon... J'avais encore un ou deux rangs avec mon premier écheveau. Et je vous montre, regardez. C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Euh, hop, je vais vous mettre une, une image, une photo à l'écran pour que vous voyez le avant et après peut-être. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, en ayant alterné. Il n'y a plus... Euh, a... C'est beaucoup moins... C'est pas choquant, on n'a pas une grosse ligne de démarcation. On a pu le pooling. Et c'est... Euh, je, je suis vraiment très très contente de l'avoir fait. Ça a vraiment... Euh, c'est parfait. Bon, c'est cho pas choquant, c'est pas... Il y a bien les zones qui sont un peu plus nuancées, hein. ça n'a pas changé la laine, mais c'est plus disposé de la même manière et c'est chouette. Alors pour alterner mes échevaux, euh, ce que j'ai fait, c'est vraiment d'un côté j'ai mis un écheveau de fingering avec un écheveau de mohair, et de l'autre côté j'avais un écheveau de fingering, un écheveau de mohair. Voilà, c'était vraiment... Euh, donc j'avais quatre pelotes à chaque fois. Et j'ai alterné de manière hélicoïdale. Euh, je vous mets dans le petit un tuto. En fait, on va tricoter son rang et trois mailles avant le fil suivant avant son autre fil, on s'arrête, on fait glisser ces trois mailles et on vient refaire, on vient tricoter le tour avec le deuxième fil. et à nouveau on s'arrête toujours trois mailles avant l'autre qu'on fait glisser, on prend l'autre fil. Il n'y a, de... a pas de démarcation nulle part, il n'y a pas de fil, je vais vous montrer sur l'intérieur. On n'a aucun fil qui suit en fait vous voyez, il n'y a pas de ligne nulle part. C'est pas comme si par exemple j'avais, j'ai pas changé mon fil, euh, en début de rang, par exemple, ici, et j'aurais eu, euh, on aurait vu euh, les, euh, euh, le fil suivre à chaque fois un rang sur deux. Non, là vraiment, il n'y a pas de démarcation, rien du tout. Et j'ai l'impression que le. Alors ça fait une sorte de spirale. Les mailles qu'on glisse, elles finissent toujours par être tricotées. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Euh, par exemple, si son début de rang. Parce que je sais que mon début de rang, il est en milieu de. Ils font marquer au milieu du dos. Le début de rang, il était au milieu du dos. Et ben, au début, ça décale à chaque fois le, le fil. Au début, on fait le changement ici, puis après, on le fait là, et puis on le fait là, et puis on le fait là, et puis on le fait là. Le fait là. Petit à petit, ça le décale. Et j'ai l'impression que le fait que ça le décale aussi, ça a évité d'avoir du pooling. Parce que bah, c'est vrai que j'avais du pooling au départ, même si on tricote. Euh... Si j'avais gardé la même façon de tricoter, même si j'intercalais euh, un rang sur deux une autre couleur, le Pooling aurait pu se faire, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir fait en hélicoïdal, bah, ça m'a permis d'éviter le pooling. Enfin je sais pas trop, je sais pas trop si vraiment le fait que ça soit hélicoïdal ça a vraiment un changement sur la position de la laine dans le tricot, toujours est-il que ça évite, il oh, n'y a aucune démarcation, et que là le résultat j'en suis vraiment contente. Alors le, la méthode hélicoïdale elle peut vous paraître, euh, ça a l'air d'être flou là quand je vous en parle, mais regardez une vidéo, essayez et vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est pas compliqué. Et pour du corps en jersey, tout en jersey, c'est franchement nickel. Je dis pas dans la dentelle, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, mais en tout cas dans, du, dans un corps de pull comme ça, tout en jersey, c'est nickel. Donc voilà, j'en étais là quand j'ai détricoté, donc j'ai tricoté tout mon corps, j'ai fait les côtes, j'ai fait le rabat de Xiaowei Design. Pareil, je vous le mets dans le petit i pour que vous retrouviez le son tuto. Et donc, il ne me reste plus que les manches à faire. Alors, je ne le porterai pas cette année. Je ne le porterai pas là du tout. Rien que de le tricoter. J'ai chaud. C'est hyper chaud. C'est euh, la BFL d'Audrey lurée. Mais ça tient chaud en fait. Avec du mohair de chez Yarneline. Clairement, ça sera pour l'hiver prochain. Mais au moins, il est fait. Et... Il sera fait. Je pourrais le porter l'an prochain. Puis j'ai eu quand même beaucoup là, de plaisir à tricoter ce. Cet empiècement. Alors Justine justement elle tricote la version gilet. Et on s'est rendu compte. On fait la taille M toutes les deux. Et on n'a pas la même chose. Moi sur le, les manches. Le motif de dentelle il est pas terminé. Ouais non je ne raconte pas de bêtises. Hein. Il n'est pas terminé. Je dois reprendre la dentelle sur les manches. Tandis que ben, Justine elle, elle, a, elle est sur le corps aussi. Mais les manches. Euh, le motif il est déjà fini. Il y a une différence. Euh, quand même entre le pull et le, le pull et le gilet. Voilà tout ce que j'avais à dire, c'est ce qu'on a pu remarquer euh, toutes les deux euh, samedi. Donc euh, bah, lui il me reste plus qu'à faire des manches, je vais faire les manches Bishop là, c'est-à-dire des manches longues, ah, longue, oui, des manches longues, euh, des manches toutes droites et je vais resserrer beaucoup au niveau du poignet et faire les côtes. Je fais juste attention parce que j'avais pu voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que les manches étaient trop longues. Elles demandent quand même énormément de longueur, donc je pense que ça, je vais faire un peu plus. Euh, je vais faire attention à la longueur, je vais faire ce qui moi me, ça me, ce qui me convient, mais euh, ouais, c'est quand même ce que je veux faire. Donc je regrette pas. Franchement, le rendu, euh, ben bah voilà, là c'est top. Il n'y a pas du tout de démarcation, il n'y a pas de cross zone de pooling. Non, c'est parfait. Je suis vraiment très contente et voilà, c'est un mal pour un bien. Sauf, sauf... Détricoter là, les deux fils ensemble, oh, c'était galère. C'est fait et je suis contente de l'avoir fait. Donc on va suivre lui, euh, bon, faire une manche cette semaine, ça serait bien. Avancer sur mon gilet Enid, mon châle fiberfest shawl. Et puis voilà, vraiment bien commencé mon pull, mon gilet Regan. Et euh, éventuellement, peut-être une chaussette, mais c'est vraiment pas sûr. Ça, on verra bien. J'ai complètement oublié de vous dire ce que je portais. Euh, je porte le pull Lilian un modèle de Laetitia, même mises en tricot que j'ai tricoté avec la laine de l'atelier teinture. J'aime beaucoup sa ça, on... ça laine très agréable et elle vit bien. A priori, parce que je le porte quand même assez régulièrement, ce pull. Et j'ai utilisé de la yerneline là pour le jacquard. Voilà, il est vraiment bien. Euh, comme là aujourd'hui fait un peu frais, mais c'est des couleurs printanières, c'est vraiment parfait là pour tout. Voilà pour ce que je portais, et c'est vraiment bon. Et c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le t-shirt Sam buco euh, de Nadia de NC à Nice. Hop, je vous montre. J'enlève ma chemise. Voilà, j'ai enlevé ma chemise. Euh, donc, j'avais testé l'an dernier et donc c'est celui-ci qui a le même motif que le Pulvélaris. Je sais pas, vous n'allez pas bien le voir parce qu'avec toutes les nuances de la laine, vous voyez un petit peu. Bref, c'est une dentelle vraiment tout ça, mais là qu'on retrouve que sur les épaules l'épaule la manche et après tout le reste étant jersey et j'ai tricoté dans une laine euh, je sais jamais je retiens pas si c'est la life in the long grass ou la madeleine Tosh j'ai un doute entre les deux je ne sais plus enfin voilà donc le sambuco que j'aime beaucoup et puis que là bah, je vois quand même que j'ai mal j'ai du mal à mettre mes pulls euh, ouais mes pulls euh, j'aime bien mettre mes pulls en fingering mais j'en ai pas des masses aux couleurs du printemps comme j'aimerais avoir J'arrive à ne pas avoir encore assez de tricots. C'est quand même bien, ça veut dire que je vais pouvoir tricoter pendant un moment. Mais euh, ouais, tout ce qui commence à avoir du mohair, les gros pulls, tout ça, je commence à moins les mettre parce qu'il fait moins froid. Et donc euh, voilà, un peu plus euh, les t-shirts avec soit une chemise par-dessus, soit un gilet. C'est vraiment là la bonne période. Donc voilà pour ce que je portais. Aujourd'hui, on est mercredi, je suis pas revenue hier parce que bah, j'avais que des petites avancées sur mes tricots, aucun intérêt de revenir. Alors, mon Regan, j'ai dit Regan, je ne sais pas si on dit Regan ou Regan, d'Isabelle Kramer. Bon, bah, j'ai avancé tranquillement dessus. Que du jersey, donc avec la base Teb, euh, Teb, Teb Camel de Didier au film d'Aurus. Bon, bah, c'est que du jersey en droit. Alors, au niveau du nombre de mailles, j'ai monté le nombre de mailles de la taille L pour avoir, parce que si j'ai bien compris, en fait, après ici, on aura la manche pour avoir la plus grande euh, largeur de, de manche. Parce que j'hésitais entre la taille L ou la taille M. Je me suis dit, ben, je vais prendre L pour être sûr d'avoir des manches assez larges. J'aime pas trop quand les manches sont trop serrées. Euh, donc là, il faut que je fasse jusqu'à un certain nombre de centimètres, mais euh, j'hésite entre la taille L ou M. Je trouve que je ne sais pas trop la mesure, on doit faire un, vraiment un long rectangle. Elle nous dit bah, prendre la mesure de notre carrure d'eau, mais je ne vois pas le rapport puisqu'on fait un rectangle bien plus grand que sa carrure d'eau. Alors ça ne joue pas beaucoup de centimètres, il doit y avoir 4 cm d'écart entre la taille M et L. Alors, je pense que je vais prendre M, parce que j'ai peur euh, de le faire si je le fais trop large, qu'il tombe en fait de mes épaules. Je vais être sûre que ça tienne bien sur mes épaules. Je pense que je vais faire en longueur là le rectangle, la taille M, mais je voulais la taille L là pour les... Les manches, être sûre qu'elles soient pas trop ajustées et que je passe bien mon bras. Je préfère... Euh, voilà, je voulais être sûre, je voulais pas être trop boudinée des bras. Surtout si je veux mettre en dessous un autre tricot ou autre. Je voulais être sûre d'avoir de la place. Donc bon, bah, je le tricote tranquillement. Vous voyez, le brillant là, c'est super beau. Alors je vois mes ongles parce que <laughs> j'ai des commentaires. Alors on me demande souvent, moi j'utilise des semi-permanents pour que ça tienne plus longtemps. Et euh, <laughs> j'avais eu un commentaire il n'y a pas très longtemps. Euh, comment tu fais pour faire tes, tes ongles euh, ça t'empêche de tricoter. Donc oui, effectivement. Bon, donc des fois, je ne je fais pas mes ongles, je refais pas ma manicure parce que c'est du temps perdu sur le tricot. Parce que forcément, je fais mes ongles ben, sur mon temps libre. Euh, et donc si je le fais, c'est que je tricote pas. Et mais comme j'ai une machine maintenant, euh, euh, c'est du semi-permanence ou lampe ça va quand même relativement vite. Ça prend euh, allez, 20 grand max 30 minutes. Donc... Euh, ça va, c'est pas si long que ça et je perds pas trop de temps de tricot. Je dis pas hein, du vernis habituel où il euh, faut attendre, je sais pas combien de temps, entre chaque euh, couche et puis après il faut attendre super longtemps, et puis il faut faire attention pendant longtemps et puis il faut pas le faire trop tard dans la journée, sinon on a les marques des draps dessus. Là j'avoue que ça me. j'en pouvais plus donc je suis passée au, sumi... au semi-permanent depuis longtemps donc euh, voilà pourquoi mes ongles ils sont. ça tient bien euh, assez longtemps. Donc voilà pour mon Regan, 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 je sais pas comment on dit Ensuite qu'est-ce que j'ai avancé un peu, j'ai avancé un petit peu sur mon, pu mon gilet Enid Hop, bah, c'était pas compliqué j'en étais là donc euh, j'ai fait tout ça Voilà, ça avance tranquillement Au début je m'étais dit euh, euh, de faire une grosse rayure par jour mais ça prend quand même du temps Donc finalement je fais une demi rayure par jour, <laughs> c'est bien parce que sinon je... Ouais. En fait alors je me rends compte que là j'ai 4 en cours sur mes aiguilles et c'était trop. Je vous avais dit, hein, je voulais mettre un test, un châle, un tricot automne-hiver et un tricot printemps-été. Ça m'en fait 4 et ça va pas. Je me rends compte que ça fait. ça fait trop de tricots. Il m'en faut que 3. Donc euh, je vais réduire à un châle. Un tricot printemps-été un tricot, printemps, tricot automne-hiver. Et parfois bah là il faudrait qu'en fait que je me dise que je finisse mon Whitmore et que le, là le test de Nadia il passe dans la catégorie automne-hiver. Euh, automne Quelque chose comme ça, il faut que je, je vois comment mes 4 en cours, euh, il n'aura pas fallu longtemps pour me rendre compte que ça ne me convient pas, il y a trop d'un coup et ça va pas. 3 ça me paraît bien euh, parce que j'aime bien varier les choses mais 4 c'était trop. <laughs> Voilà. Mais comme quoi on chante, parce que j'ai commencé le tricot, j'étais mono en cours, un hein, à la fois, tout ça. Et après, euh, j'ai été deux, parfois deux en cours ensemble. J'étais mono, parfois mono en cours, parfois j'en avais deux. Et maintenant, il euh, y en a toujours plein d'un coup. Mais trois, ça me paraît bien. Au-delà, euh, là, je vois que ça me contrarie un peu. Alors j'hésite à me dire, est-ce que lui, je le mets en pause, le temps de finir mon Whitmore je, je sais pas encore. Je suis un peu. Je... Je, je tâtonne un peu. Mais voilà, j'en suis. Euh, J'ai fait ça sous les emmanchures. La petite torsade, Donc bah rien de particulier à vous dire. Ça se ricote bien. J'adore regarder les nuances de la laine qui se forment. Je trouve ça super beau. J'alterne pas. J'alterne pas mes échevaux là-dessus. Parce que je me dis que... En fait, c'est quand même des échevaux qui sont très nuancés. Il enfin, y a pas mal de nuances entre là. La... Ici qu'on était sur des petits rangs, les couleurs se sont pas mises pareil que là où on est sur des longs rangs. Ils sont pas. Je me, je me dis que comme c'est des rayures, ça devrait pas être trop choquant si je passe dans un autre échou. Donc celui-là je j'alterne pas parce que j'ai déjà quatre pelotes pour les pour faire les rayures. Toujours en même temps, sans couper le fil. Donc je ne je veux pas rajouter encore deux autres pelotes pour alterner. Non non non. Et qu'est-ce qui a avancé un petit peu aussi? Euh, je peux vous montrer mon Whitmore. J'ai commencé la manche. Ça va pas être aussi rapide que d'habitude parce que bah, j'alterne sur la manche. Il hein, n'y a pas, il faut. Hop Alors voilà la manche. J'ai terminé le motif. Hein, C'est ce que je vous disais. Hein, C'est ça, j'ai eu la dentelle à refaire là sur la manche pour terminer le motif. Chose qu'on ne fait pas sur la version gilet. Et donc voilà où j'en suis. J'ai je fait ça. J'utilise le petit contrant de chez Woolbags, le Special Pack. Ah J'ai essayé de vous montrer. Trop mignon. Donc, euh, ben voilà, j'ai fait ça. Et là, j'alterne ben, mes deux échevaux, hein, parce que... Ben, mes quatre échevaux, au final. Hop, J'ai d'un côté, j'ai la BFL de teinture lurée avec un écheveau de mohair de Yarnuline. Et de l'autre côté, ben, la même chose. Et voilà. Donc là, ce qui est pénible, c'est qu'en fait, comme ben, c'est une petite circonférence... A chaque fois il faut que je fasse attention de ne pas en mêler les fils pour pas que, ouais, pour pas que ça s'en mêle. Et vous voyez je fais de manière hélicoïdale aussi sur ma manche. Hein. Je ne sais pas. Hop, où est-ce qu'il est le fil Là. Donc vous voyez là c'est mon fil d'avant. Donc je vais faire le changement là, ici. trois euh, mailles. Avant. il est où le fil Là, donc une, deux, trois. Là je vais tricoter jusqu'ici. Là, je vais m'arrêter. Je vais glisser ces trois mailles pour reprendre là, puis hop refaire tout le tour, m'arrêter trois mailles avant le le changement du fil suivant, puis ainsi de suite. Donc euh, ouais, c'est un peu moins rapide que d'habitude parce que bah, il faut faire attention à ces fils, à ne pas à pas les emmêler. Mais bon bah ça y est, je fais ma manche. Et là, heureusement que j'alterne parce que comme c'est une petite circonférence, les nuances, vous euh, voyez, on voit quand même qu'elle va être... Euh, je pense que ma manche va être un peu plus nuancée que le corps. à ah, quoi que. Là, on voit quand même pas ma... Ah, ça dépend de la lumière. Et bien, vous voyez, on voit qu'un... Là, aujourd'hui, sur la caméra, on voit quand même beaucoup plus les marques. Mais je ne le vois pas en vrai. Là, pour le coup, c'est le côté euh, plus contrasté de l'écran qui fait qu'on voit... Euh... On voit davantage les nuances de la laine. En vrai, c'est pas du tout, c'est pas autant voyant. Enfin voilà, donc mes petites avancées. Ouais, j'avais pas, j'étais pas venue hier parce que hier, franchement, vous voyez, aujourd'hui, ça fait pas non plus des grandes avancées, donc hier, ça en faisait encore moins. Aujourd'hui, je porte le gilet cachou, un modèle de, de Nadia. Euh, voilà, avec. Alors c'est un peu comme le, un peu comme le Enid. Euh, c'est un gilet en fingering et mohair avec des torsades. Alors par contre là, on a plein de petites torsades. Alors vraiment toutes simples, hein, vraiment pas compliqué. Mais on en a plusieurs. Et par contre au niveau de la, la construction, c'est un peu différent. Parce que là c'est classique. Le début du gilet, il est là. On a le demi devant, le dos. Voilà, c'est vraiment au milieu de l'épaule. Et par exemple, sur ce gilet-là, euh, ici mon écheveau est plus clair que sur le corps, et puis il me semble de mémoire. Hop Sur ce gilet-là, j'avais eu des problèmes, j'avais eu trois écheveaux quand même assez différents, j'avais pas. Euh... J'avais pas. Je sais plus. Euh, alterné mes écheveaux. Ah oui, vous voyez là. Hop On a le premier écheveau ici, ça se voit bien, on a le deuxième écheveau là. C'est quand même assez flagrant. Et mes manches, elles sont aussi. Euh, bah elles sont de cette là plus claires que ici. Mais bon. bon c'est tout. Hein. J'ai été un peu triste sur le coup, forcément. Mais ça, voilà, ça m'empêche franchement pas de le porter et c'est pas grave. Voilà pour ce que je portais. Aujourd'hui sort un patron, euh, le modèle. Alors c'est le châle, une brioche pour le tête de Laetitia, même les anges tricote. Donc je peux vous le remontrer. Moi je vous l'avais montré euh, terminé hein, complètement. Je vais faire sa petite vidéo dédiée, mais le voici, le voilà. Euh... Un châle avec énormément de brioches. On a d'abord donc le, la brioche, hein, c'est ce point ici qui donne du relief. Qui, qui a la particularité qu'on tricote le rang une première fois avec sa couleur A et on retricote le même rang dans le même sens, donc on fait deux rangs en droit à la suite après avec la couleur B. Et en, pour les rangs en vert c'est pareil, on fait les deux rangs en vert, l'un avec les deux couleurs l'un à, à la suite de l'autre avant de tourner son ouvrage. Mais voilà, vous savez que là, il y a quand même beaucoup de brioche qu'on a. D'abord, toute cette première partie à brioche, après on a une section en point mousse, on a eu une longue section de brioche, et là on a du point mousse avec un petit peu de brioche dedans et encore de, de la brioche. Donc là, euh, si vous n'avez jamais fait de la brioche, que euh, vous vous lancez dans celui-là, à la fin vous savez parfaitement le faire euh, parce que là, vous en mangez de la brioche. C'est vraiment le cas de le dire. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et donc... Euh... À la fin vous savez le faire. Mais voilà, c'était la petite sortie euh, de cette semaine. Je l'ai pas encore beaucoup profité parce que ben c'est quand même un châle avec trois échevaux, euh, très doudou, euh, très grand, très profond. Donc euh, moi je pense que je l'utiliserai quand même davantage au printemps et en hiver que là maintenant. Par contre j'aime beaucoup le côté réversible, vous voyez là, c'est le côté prune qui ressort, tandis que de l'autre côté il est très jeune. Et euh, je pense que je préfère ce côté-là, le côté moins contrasté finalement. Mais il est complètement réversible, donc ça c'est chouette. Mais euh, je vous refais euh, bientôt sa petite vidéo euh, pour en reparler en détail. Tout ça, je vous en avais déjà parlé pas mal hein, pendant les derniers vlogs où je l'avais tricoté. Donc je vous en reparle pas plus aujourd'hui. Sinon, l'autre chose qui a pas mal avancé, c'est mon Fiber Fest shawl. J'ai terminé une nouvelle section de ce que moi j'appelle bébé nup. Je vois que Mélanie m'a dit que c'était des tiny bubbles. Mais bébé nope, je trouve ça très bien. Mon cap commence à être un peu court. Il que je change de cap. Mais là, voici. Donc, au fur et à mesure, c'est toujours la même chose. Hein. Une fois qu'on a compris sur cette section-là, les autres sections ne sont pas compliquées. Juste, elles sont de plus en plus grandes. Et vous voyez, là, j'ai... On ne se rend pas bien compte peut-être, mais j'ai déjà une bonne largeur. Il y a... Un peu plus de 250 mailles je crois. Je sais plus. Mais voilà. Euh, ce que j'aime bien, c'est que bah oui, le premier rang, il est assez long parce que quand on commence. Euh, où est-ce qu'il est le début du rang Bah il est là. En fait, quand on commence les bébés nop... Hop, on doit faire tout le châle, mais voyez, au fur et à mesure, on réduit. Et ça c'est chouette. Donc ça fait que ben... Euh, oui, les deux trois premières répétitions, elles sont un petit peu longues. Mais... Euh, quand on arrive là, vous voyez, ça va vite en fait. À partir de là, là, on est hyper motivé à aller jusqu'au bout parce qu'on sait que ça va vite, qu'il n'y a plus grand-chose à faire pour finir la section. Voilà, oh, mais j'aime beaucoup le rendu. Alors là, je refais la même chose. Il y a une section de brioche à refaire à l'identique. Encore une section, la dernière section de bébé nop. Et ensuite, c'est la bordure en brioche qui comporte, il me semble, des augmentations et des diminutions. Ça fait un joli motif. Ça, ça va être vraiment chouette à tricoter, ça va être sympa. Mais non, j'ai toujours autant de plaisir à le tricoter, je l'aime bien. Mais il faut que je change de câble pour que vous voyez un peu mieux l'ampleur le... du châle. Mais ouais, très joli. Donc voilà, pour lui, il a avancé jusque là. Donc là, on est déjà jeudi. Euh, bah, je reviendrai demain pour faire le point sur mes avancées tricot. J'ai pas l'impression d'avancer très vite. Hein, euh... Moi je vais aller tourner ma vidéo là tout de suite euh, pour le. pour ce châle-là pour qu'elle sorte la semaine prochaine, et puis après je ferai les raids de Katana, et puis voilà, et on se retrouve donc demain pour la fin de ce vlog. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, hop, euh, il est là. Je porte le Rocketti, un modèle de Tanis Lavallée. Donc ça, c'était ma première version que j'avais faite. Ce très joli mauve, j'aime beaucoup. Euh, je l'avais fait avec un écheveau de fingering qui m'avait été offert par Silène Et j'avais trouvé un mohair chez Paul Laine, au Laine en Or. Hop, voilà. Donc c'est un t-shirt, euh, mais aujourd'hui bah, je porte une chemise par-dessus, bah, pour pas avoir froid. Mais euh, ouais non là je suis bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce modèle-là. Je l'ai refait une deuxième fois euh, dans des coloris euh, plus orangés. Et il est pas, il est fort possible que je m'en refasse d'autres parce que j'aime le porter. Là on est vraiment à la bonne saison ou où... même encore pendant. Bien plusieurs semaines, hein, je vais pouvoir le porter parce qu'il va pas être trop chaud. Au plus fort de l'été, je le porte pas, mais euh, franchement, jusqu'à mai, juin, il est euh, complètement portable et supportable. Il est très ample, très. Comme il est ample, il colle pas et donc il tient pas trop chaud. Voilà pour ce que je portais. Je vais refaire un petit point sur les euh, festivals qu'il va y avoir. Près de chez moi, dans le Nord Pas-de-Calais, parce qu'on me pose beaucoup de questions. Alors, on a tout d'abord, à peu près, maintenant 15 jours, il va y avoir le Ch'ti Bazar Créatif, l'édition printanière. Au début, je pensais vraiment pas m'y rendre parce que je pensais que. Bon voilà, moi la couture, c'est. <laughs> Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je, je déteste la couture, franchement, c'est pas possible. J'ai essayé plusieurs fois, mais il n'y a pas. J'aime pas ça, donc. Voilà, j'ai abandonné l'idée. Mais finalement, il bah, y, la... y a quand même un peu de tricot et il y a des teinturiers que je n'ai jamais rencontrées. Euh... Et puis il y a aussi de la broderie. Et finalement, ça me plaît pas mal cette histoire de broderie, de... J'ai bien envie d'aller voir. Donc normalement, on s'y rend... On va s'y rendre le dimanche matin avec mon avec mon homme. On va en profiter pour passer au petit Bazar, puis ensuite aller voir de la famille sur l'île. Donc on va y aller le dimanche matin rapidement, histoire pas voilà quand même d'aller voir et tout, ça va être chouette, je suis contente C'était pas prévu, puis finalement ça s'est bien goupillé comme on devait aller sur l'île et ben voilà, j'ai dit bon on devrait y aller ce jour-là, comme ça on fait les deux en même temps. Donc on restera pas aussi longtemps que quand on le fait en, en novembre, et d'ailleurs il y en a aussi qui me posent la question, l'édition de novembre aura bien, bien lieu, toujours vraiment là, euh, vraiment très axé euh, laine et c'est sur le même week-end, c'est toujours au niveau du 11 novembre, donc là ce sera le 9 et 10 novembre 2024, mais l'édition aura bien lieu. Donc voilà, euh, j'ai hâte d'y aller, en plus, bah, je, sais, bah, je sais pas si vous suivez les actualités de Loli fait sur... Euh, sur instagram mais elle a sorti un petit livre là et euh, bon, je compte bien me le procurer pour le lire avec mes loulous moi euh, dès qu'il y a des livres qui parlent de tricot avec mes petits, euh, bah je prends, j'achète et je leur lis hein. ils baignent dans la laine dès tout petit, il faut qu'ils se mettent dans le bain et il est jamais trop tôt donc voilà, donc lui on a ça le, j'ai pas les dates, 13 et 14 avril je pense Ensuite dans le Pas-de-Calais, nous sur la côte d'Opale, à Grosflier, on va avoir le Laine Fleury. Donc c'est la toute première édition dans un lieu qui a l'air magnifique. Alors ça sera si j'ai bien compris un, en extérieur je pense. Mais en tout cas le lieu a l'air super beau. C'est le 4 et 5 mai. Euh, alors là, je vais m'y rendre le samedi après-midi avec euh, tous mes hommes, qui y aura mon chéri et les deux garçons, parce que ben voilà, c'est un week-end où on les a, donc ils vont être là. On va y aller. Donc je sais pas combien de temps on va rester parce que ça dépend de comment ils supportent la chose. Voilà, mes garçons, c'est pas non plus euh, leur grande passion, la laine. Mais comme c'est pas très loin de la maison, ça le fait. Et puis euh, bah en fait nous on connaît bien le coin, hein. on sait où va y avoir un skate park, s'il si fait bon, on les emmènera en même temps au skate park après. Comme ça tout le monde euh, sera content de cette sortie. Et j'y retournerai le dimanche également normalement avec les copines. Et ça, ça va être super bien. Alors je sais pas du tout l'organisation, je sais pas, le matin, l'après-midi, toute la journée. Euh, c'est encore très très flou, mais voilà, <laughs> normalement j'irai avec les copines le dimanche également. Parce que ben bah, voilà, c'est pas très loin, donc on va en profiter et ça c'est chouette. Donc le laine fleuri le 4 et 5 mai. Et ensuite il y a le laine en or qui est fin mai, le 25 et 26 mai. Et là par contre je m'y rendrai pas parce que bah, en fait c'est le festival le plus loin de chez nous. Et maintenant quand on en a d'autres qui sont plus près... Euh, bah voilà, je ne vais pas m'y rendre et puis ça tombe sur le week-end de la fête des mères Donc mes garçons ont déjà fait un festival. Ils, euh, voilà, c'était pas... Assez, ils vont déjà le, Ils acceptent déjà d'en faire un. Leur en demander un deuxième. Dans le même mois, c'est un petit peu exagéré. Et puis surtout que nous on a un peu plus de deux heures de route pour s'y rendre. Donc deux heures à l'aller, deux heures au retour pour rester à peine une heure, c'est pas... ça vaut pas le coup. Donc, au Laine en or, j'y serai pas. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui, qui iront qu'à ce festival-là. En plus, il y avait des teinturiers que j'aurais aimé voir comme Pauline, Bulbe Bizarre, euh, Yarn by Simon que j'ai jamais rencontré. J'aurais aimé euh, voilà, voir Céline en vrai, la rencontrer. Mais bon, bah, c'est tout, il faut faire des choix. Il y a des teinturiers que je ne connais pas sur les deux autres festivals. Et puis, bon, bah, voilà, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, pour ma part, le Ch'tit Bazar le dimanche matin, le Laine Fleurie le samedi et le dimanche normalement. Et pas de laine en mort pour, euh, pour ma part. Niveau tricot. Euh, j'ai pas avancé sur mon châle que je vous ai montré hier. Le fiber fest il a pas bougé du tout. Donc je sais je vous le remontre pas. Ah bah lui non plus. Je savais plus mais là que je le ressors, euh, je l'ai pas non plus avancé. Je vous avais dit, hein, en fait j'ai un, un peu un trop-plein d'encours là d'un coup. Et je vais finir mon Witmore et après je terminerai, je reprendrai le Enid que je n'ai pas avancé non plus. Non, il est tout. Et Lynn hélène sera présente à également au petit bazar là. Elle revient. Euh, donc ça, ça n'a pas avancé. J'ai avancé un peu sur le le Regan. Voilà, je vous avais pu voir avant, je le tricote dans la voiture. C'est vraiment parfait. là C'est pas que du jersey en droit. Il n'y a pas besoin d'avoir le patron ou quoi que ce soit. Donc voilà ce que j'ai fait. J'en étais là, j'ai tricoté tout ça. Bon bah rien de particulier, hein, c'est juste, <laughs> un, juste un rectangle de, de jersey, mais euh, bah, bah, euh, pff, comme je le tricote que de temps en temps, pour l'instant c'est pas ennuyeux, mais bon j'ai pas fait énormément, une dizaine de centimètres c'est tout, et on a quand même à peu près 80 à faire, donc euh, j'en ai pas pour un petit moment. Et donc si j'ai bien compris, bah, ça c'est le haut du dos et ça sera comme ça. Dans le haut du dos. Et en fait, on vient relever les mailles là en bas pour faire toute la dentelle. Et moi, ça sera donc, euh, je vais avoir donc le haut du dos et les manches de cette couleur-ci. Et toute la dentelle sera euh, dans l'autre écheveau que je vous avais montré dans, il y a peut-être bien deux vlogs maintenant, dans les tons roses. J'ai je, je chacun en train de faire des bêtises à l'étage. Mais bon, c'est pas grave. Donc bon, bah voilà, lui, il va avancer tranquillement. Très agréable cette fibre à tricoter. Euh, bébé chameau, soif, c'est très doux, très agréable. Donc bon, bah lui, voilà, il avance tout doucement, rien de particulier à vous dire. Hein. Euh, pour l'instant, c'est que du jersey, c'est vraiment pas compliqué. Et donc la seule chose sur laquelle j'ai avancé, c'est mon pull Whitmore. Le... C'était le seul tricot sur lequel je m'étais mis un objectif, celui de faire une manche cette semaine. Hop. Alors, je vous l'avais montré. J'en étais là, j'avais fait ça de la manche et hop, c'est chose faite. J'ai ma manche de fête. Une manche. Ça y est. Oh, je suis contente de l'avoir finie. Alors là, alterner les écheveaux sur une manche, c'est franchement pas agréable. Euh, plein de fois je rate. En fait, moi j'aime bien tricoter des manches quand euh, on peut les tricoter en rond tout le temps sans, sans avoir à s'arrêter à chaque rang pour changer son fil. Là j'avoue que sur le corps, c'est pas dérangeant parce que ben, le temps d'arriver au début de... Je de rang, on tricote quand même pas mal de mailles donc ça va, là j'avoue que bah en fait on arrive vite dessus, il y a plein de fois où je dépassais le changement de fil il fallait revenir en arrière, reprendre l'autre fil faire attention que les pelotes s'en mêlent pas, c'était galère mais je sais que j'en... fais, enfin, mais c'est nécessaire parce que vous voyez par exemple ici euh, là vous voyez on a pas mal de, de speckles plus foncés et donc euh, si j'avais pas alterné ça aurait vraiment été plus ça aurait été fort voyant donc je sais que c'était vraiment nécessaire, mais c'est franchement pas agréable d'alterner. Mais bon, j'ai terminé la première manche. Donc euh, voilà, Donc, on fait euh, la manche, on la tricote toute droite, et ensuite on vient la diminuer fortement au niveau du poignet, et on vient faire des grandes côtes. Alors là, par, euh, souvent on demande de diminuer d'une demi-taille d'aiguille. Par exemple, si on est en 3, on doit passer en 2,5. Euh, là, c'est vraiment une taille inférieure. J'ai tricoté tout le pull en 3,75 et en fait la demande par exemple à faire là les côtes en 2,75, c'est vraiment bien plus resserré mais voilà, j'ai terminé ma première manche et dans la foulée j'ai déjà hop, commencé la deuxième donc je suis en train de terminer le motif j'allais alterner mes échevaux parce que ben, je me suis dit il faut le faire sauf que pour la deuxième manche j'ai fait attention de commencer par l'écheveau le moins nuancé celui qui approcher le plus du premier et là je me dis que euh, bon, je vais tricoter parce qu'il m'en reste quand même pas mal là euh, je sais pas combien j'ai mais j'ai quand même pas mal euh, de métrage. moi bon, je vais tricoter une bonne partie de la manche avec que ça sans alterner et puis quand j'aurai diminué 2-3 euh, quarts ce qui me reste là je pense que je commencerai à alterner avec hop, le restant ici qui lui est plus nuancé c'est cet écheveau là en fait qui est plus nuancé je sais pas si vous allez le voir à l'écran Bon, je suis pas sûre. Je pense pas que vous voyez quelque chose. Mais celui-là est plus nuancé. Donc, euh, mais je me dis que, vous voyez, en fait, j'ai pas... Celui-là, j'ai plus de reste de celui-là que celui-ci. Donc, je vais d'abord tricoter ma manche avec beaucoup de ça. Ça sera quand même plus simple, ça sera moins pénible et ça sera, ça sera plus agréable. En fait, là, pour les cotes, j'ai arrêté d'alterner dans les cotes. Euh, où est-ce que je l'ai fait Où est-ce que j'ai fait ça Je sais plus. Mmh. Ah oui c'est ça, juste avant les cotes. En fait, au moment de faire le rang de diminution, je me suis stoppée en alternant. Et j'ai pris les chevaux le plus foncés. Et j'ai fait mes cotes. Je me suis dit dans les cotes, c'était moins choquant si c'était les chevaux le plus foncés. Et voilà, pour euh, m'arrêter d'alterner parce que c'était pénible. J'ai fait que. J'ai fait les cotes avec l'autre coloris. C'est pour ça que j'en ai beaucoup plus de celui-ci. Et là je me dis, bah je vais faire le début de ma manche avec ça. Utiliser une bonne moitié, voire les trois quarts, et après commencer à alterner pour finir la manche avec le reste. En fait, je vais déjà avoir en avançant là ce que j'ai. Donc, l'objectif du week-end, bah, c'est le terminer. Terminer le 8 morts. Alors, c'est un week-end de trois jours, mais on, on a un gros week-end de prévu. On a un anniversaire surprise et <laughs> c'est nous qui sommes chargés de d'occuper euh, la personne euh, dont c'est l'anniversaire et, et qui ne sait rien normalement. Donc en fait euh, je vais pas beaucoup tricoter euh, ce week-end mais ouais, l'objectif ça serait de finir bah, la manche. Je vais pas... Je vais pas en profiter, hein, je vous l'ai dit. Il est vraiment très chaud là, le BFL, oh, c'est vraiment très très chaud. Mais... Mais voilà, j'aurai pris plaisir quand même à le tricoter et il sera prêt pour l'hiver prochain. Et comme ça, la semaine prochaine, bah, j'aurai mon châle il me restera mon châle, avancer sur mon gilet Regan et puis avancer sur le test Enid, le gilet Enid. Voilà, j'aurai celui-là en moins et ça ira bien ça avancera bien. Voilà pour cette semaine ce que j'avais à vous dire. Euh, on a fait le tour. Hop oh. Comme toujours, un grand merci bah, d'être là, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour tous les petits messages que vous pouvez me laisser, merci énormément. J'espère que donc cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt, bye